Yo les gars, c'est Zebi, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc pour la fin et les cinématiques de la nouvelle map Extinction, donc Nightfall. Donc je viens de la finir là, il y a moins d'une heure, donc je vous fais vite la vidéo, parce que je dois aller réviser, MDR, ouais, c'est triste hein, la vie. Et donc voilà, donc on vient de la finir, c'était hyper galère, on est mort au moins 10 fois chacun, non, moi je crois que je suis mort que 3 fois ou 4. Mais c'était vraiment chaud, 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 on a galéré. Donc je vais vous parler un petit peu de la map, donc à la base... Donc je vais montrer les cinématiques et tout, mais avant je mets un petit truc d'introduction hein. Donc tout d'abord j'envoie cette vidéo à deux chaînes communautaires, Code QG et Code Safe. Donc merci s'il me plaît, ça me ferait grave plaisir. Bon, je parlerai de ma chaîne à la fin. Et donc maintenant j'introduis la map. Donc en fait la map à la base, c'est des scientifiques qui, on sait pas trop ce qu'ils veulent faire, mais ils emmènent des échantillons d'aliens de la première map. Alors que normalement dans la première map, tous les aliens ont été détruits à cause de la bombe nucléaire. Mais en fait non, il y a des scientifiques qui ont emmené des échantillons dans une base. Donc je sais pas où ça se situe, dans la neige apparemment. Et donc les échantillons étaient vivants, donc ils sont rebellés, enfin ils ont foutu le bordel quoi. Et donc ça a compromis leur plan. Donc en fait ils tentent des expériences si vous voulez pour mettre les aliens contre la Terre un peu. Et donc il y a des méchants qui font des expériences pour que les aliens viennent dans leur camp pour... niquer tout le monde. En gros, c'est ça, si vous voulez. Et donc, il y a Sarah Cross, qui est une scientifique qui travaille avec eux, qui finalement ne veut plus travailler avec eux. On ne sait pas pourquoi, on imagine qu'elle n'est pas d'accord avec leur plan. Et voilà. Et donc, elle dit qu'elle a trouvé quelque chose et qu'elle veut se suicider et tout. Enfin bref, la cinématique arrive dans quelques instants, vous allez pouvoir la voir. Donc tout d'abord, je vais faire une grosse dédicace à Monster, Tante Normal et Monsieur Flapix qui était avec moi dans la partie. Grosse dédié à eux, ils m'ont beaucoup aidé. Surtout Monsieur Flapix, si vous voyez cette vidéo sur ma chaîne à moi, bah sa chaîne elle est dans la description les gars. Franchement allez voir, il fait du lourd. Donc voilà. Et donc la cinématique va bientôt arriver, donc on va voir Sarah qui parle un petit peu. Donc là au passage je suis dans la troisième zone hein, juste avant l'affrontement final. Donc voilà, la cinématique arrive. A tout de suite, je vous laisse l'écouter. Donc voilà les gars, donc comme vous pouvez voir on voit Sarah Cross, donc elle s'appelle Sarah Cross, qui nous dit que elle a trouvé quelque chose, j'ai pas très bien compris, mais en gros elle nous dit qu'elle a trouvé quelque chose et qu'elle veut pas le dire, du coup elle allait se suicider, mais il y a le boss un peu des méchants qui vient, qui lui met une balle dans l'épaule pour l'empêcher de se suicider et puis qui l'assomme un peu et qui l'emmène avec elle. Donc là vous pouvez voir le gameplay, on vient de niquer le dernier nid et on va se retrouver dehors où il y aura le gros gros alien, donc c'est là qu'on doit le combattre et le niquer, on doit pas le faire fuir cette fois, on doit le détruire et je vous assure que c'est... très très long. Donc voilà, en tout cas, pourquoi je dis en tout cas, excusez-moi. Donc voilà, donc on peut voir qu'il l'emmène avec elle, enfin il l'emmène avec lui, ouais ça se dit comme ça. Et voilà, donc on voit l'alien, il a des miniguns sur les épaules, il a été trafiqué, hein, ça se voit bien. Et donc il nous canarde, donc là on voit que j'ai l'arme. Donc je vais vous dire juste un petit truc, donc pour accéder à la scène là que je viens de voir où on voit le rideau et tout, tout simplement il faut niquer un nid, et pour avoir l'arme que j'ai là qui, avec les testicules de truc jaune, il faut détruire un nid aussi dans la troisième zone. Donc voilà, donc là il avait presque plus de vie, vous pouvez voir en haut à gauche, désolé pour le logo Avermedia qui casse tout mais je peux pas l'enlever. Donc on voit, en fait le but c'est de le mettre en mode accroupi et de le niquer dans le ventre, il a des petites boules. Donc là on voit, on vient de le niquer. Il va y avoir une dernière cinématique, donc je vais vous laisser l'écouter, je vais vous dire mes hypothèses. Donc désolé aussi pour la cinématique d'avant, si on a un tiré vous avez pas entendu grand chose. Mais voilà, donc je vous laisse la cinématique et on se retrouve tout de suite pour les hypothèses. A tout de suite. Vous avez vu le fichier sur l'expédition du Colorado? Mes hommes ont confirmé son authenticité. La structure sur ces photos est une capsule temporelle, une arche conçue pour survivre à une ancienne apocalypse. Et vous croyez qu'il y en a d'autres? Je parierais ma vie là-dessus. Comment peut-on les trouver? Je sais qui peut le faire. Bonjour. Comment allez-vous, Docteur Cross? J'ai envie de vomir. C'est juste le mal de mer. Quoi?
suis-je? S'il vous plaît, ne bougez pas. Les implants sont tout frais. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous m'avez fait? Bienvenue à bord, docteur. Mettons-nous au travail, voulez-vous? Non! Et voilà, les gars, donc c'est la fin de la cinématique, donc ça, on voit franchement beaucoup d'indices pour le prochain DLC. Donc tout d'abord, on voit Sarah Cross, donc elle s'est fait emmener par les méchants, elle est sur leur bateau, sur leur arche, comme ils disent, sur une arche. Donc je vais vous expliquer un petit peu, en fait, ils l'ont emmenée, ils sont en train de l'opérer, ils lui font des opérations, donc ils sont en train de lui mettre des trucs d'alien sur elle. Donc on peut supposer qu'ils veulent la transformer en alien ou faire un truc comme ça. On voit qu'elle a des trucs branchés dans le corps et tout. Donc dès qu'elle se rend compte qu'elle est détenue par les méchants, elle se débat, mais bon, elle est attachée. Ensuite, on voit un petit peu en dessous qu'il y a des aliens dans des cuves, comme s'ils faisaient des expériences dessus. On voit ensuite les machines dans le bateau, bon c'est un bateau, rien d'exceptionnel. Et on voit sous le bateau, donc des aliens qui nagent. Plus on voit un méga gros alien en arrière-plan. Donc moi franchement je pense que la prochaine map, c'est quasi sûr, elle sera sur un bateau, voire même s'ils nous font vraiment plaisir sous l'eau, ça pourrait être vraiment fou. Moi je pense que dans tous les cas, à un moment on ira sous l'eau. Ce sera obligé pour niquer le gros qu'on aille sous l'eau, ou peut-être qu'on sera sur le bateau et qu'on verra le gros sous l'eau, il faudra le niquer. Donc franchement ça promet du lourd. Donc il parle, comme on voit, il parle d'arche. Dans l'intro de la cinématique, il parle d'arche. Ils disent ouais, il y a des arches. Donc moi je pense qu'en fait il y a des arches. Et en fait, ils essayent de trafiquer les aliens pour qu'ils se reproduisent et qu'ils niquent toute la population sur la Terre. Et je pense que leur but, en fait, c'est de créer des arches, donc des bateaux, où ils font payer les entrées hyper chères pour que... Je sais que c'est un peu bizarre, mais je pense que c'est ça. Pour que les gens y aillent dans les bateaux pour survivre, en fait. C'est un peu des arches pour pas mourir par les aliens. Et donc, je pense qu'eux, leur but, c'est de faire plein d'aliens pour dominer le monde et pour qu'ils fassent payer les entrées dans leurs bateaux, en gros, pour être un peu les VIP. Donc voilà, c'est une hypothèse très vite faite, hein. J'espère que, je pense que ça peut être ça, ou un truc dans le genre. Donc en tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. Donc si j'ai des uploads sur Code QG ou Code CF, bah n'hésitez pas à faire un tour sur ma chaîne. Voilà, ça me ferait grave plaisir. Il y a beaucoup de tutos glitch et gameplay sur Call of et GTA. Donc pour ma part, c'est fini. N'hésitez pas à liker, que ce soit sur ma vidéo ou sur celle des chaînes communautaires. Bye les gens, portez-vous bien.